Alors, donc là, la clé panto, elle est cassée. Je vérifie bien, donc je sais que je suis sous 25 000 volts monophasé. Donc là, mettons maintien de service. Je vais reprendre le maintien de service. Donc là j'alimente mon frein, j'ai tout refermé, tout ça. Je vais attendre que la pression soit bien à 3 bars ORE pour ensuite réalimenter ma conduite générale. Donc je vérifie bien, j'ai mis le fief frein d'immobilisation pour essai de frein. Ça va me garantir justement de ne pas dériver. Très bien, alors justement pour pas dériver et être sûr que tu dérives pas, qu'est-ce que tu observes là exactement dans cette situation? Bah là en fait je vois que ma CG est bien à 5 bars, donc tous les freins de mon train sont bien desserrés à l'exception du bogie qui est juste en dessous de la cabine, et je vérifie bien que j'ai une pression au cylindre de frein qui va garantir mon immobilisation. Donc là j'ai procédé à un essai de fonctionnement du frein. Donc avec une première dépression. Et compléter la dépression à 1 bar. Je vérifie que ça s'est bien répercuté dans la conduite générale, que la pression OCF est satisfaisante pour la dépression d'un bar. Et là maintenant je vais procéder à un essai de la veille automatique. Donc pour ça je vais mettre mon inverseur sur avant, supprimer les auxiliaires. Radio éteint. Vérifier l'allumage de LFDJ qui confirme que le disjoncteur de la machine est bien ouvert. La mise de l'atmosphère de la conduite générale et l'allumage du LT9, la lampe bleue. Je peux refermer mon disjoncteur et réalimenter ma conduite générale. Là, je vais maintenir l'appui au pied pendant 55 secondes environ pour vérifier que le son CA, contrôle d'appui, retentit bien au bout de ce temps-là. Ouais, durant les essais, on conserve un regard sur les organes de contrôle du frein pour toujours éviter de dériver et vérifier qu'on a un moyen d'immobilisation le temps des essais. Donc l'essai à l'arrêt de la veille automatique est terminé. Maintenant, je vais faire un essai du KVB, contrôle de vitesse par balise. Pareil, la disjonction, la mise à l'atmosphère de la conduite générale et l'allumage du LTN. On a vérifié les deux sons également et l'allumage de tous les voyants du KVB. Donc ma conduite générale est bien à 5 bars, donc mon essai du KVB est terminé. Je vais pouvoir me réimmobiliser. Hop, on va remettre le chauffage, on allume la radio. Donc ici c'est le canal 4 et notre numéro de train 1658 42.